Carlin, première. À la base, je suis constructeur. Fabricant du matériel, ben, toute ma vie, j'ai continué à fabriquer du matériel. Commencé par faire le premier micro-sillon en Europe. Depuis, j'ai été amené à faire de nombreux disques. Commencé à faire du cinéma parlant et j'avais donc une assez bonne expérience du maniement des microphones et de l'enregistrement sonore. Je n'étais donc pas un apprenti quand j'ai commencé à faire du disque. J'ai enregistré en stéréo en 54. Par exemple, le disque des Cinq Russes est un des premiers. Déjà pour le cinéma, j'avais constaté la chose, qu'il était excessivement difficile de faire des
prise de son en mélangeant des micros. Si vous mettez plusieurs micros, bien évident que le son arrive à ces micros à des temps différents, donc avec des phases complètement différentes. Les sons aigus, alors là, sont complètement mis en bouillie. C'est impossible de faire un enregistrement en mélangeant des micros. Enregistrements contenus sur ce disque ont été exécutés à l'aide d'un microphone stéréophonique dit tête artificielle. À l'heure actuelle, je me trouve dans l'axe de la tête. En conséquence, si votre installation est bien réglée, vous devez m'entendre exactement au milieu entre les deux haut-parleurs. Pour vérifier le bon réglage de votre chaîne, je vais faire résonner un timbre en traversant la pièce de la droite vers la gauche. La qualité et la force du timbre ne devront pas sensiblement varier d'un point à un autre. Ici, je suis à droite. Je suis complètement à gauche. Je vous remercie de votre attention. Nous avons une oreille de chaque côté de la tête. On peut dire que le pinceau aigu n'atteint qu'une seule oreille et l'autre est dans l'ombre, en quelque sorte, du globe de la tête. Eh bien, il faut tenir compte de ce phénomène. Pour faire de la stéréo, il faut représenter par deux micros nos deux oreilles. Eh bien, le plus simple, c'est de faire ce que le bon Dieu a fait, c'est-à-dire les mettre de chaque côté d'une boule, de manière à ce que ils entendent chacun comme nous avons l'habitude d'entendre. Et puis c'est tout.
Lorsque je dois faire un enregistrement, je commence par écouter l'orchestre avec mes deux oreilles. Il faut trouver, autrement dit, la place du micro. Et c'est autour de cette place qu'il faut disposer l'orchestre et les musiciens et les chanteurs. Il faut commencer par choisir la place du micro et ensuite mettre les musiciens en fonction de cette place choisie. Les enregistrements ont été exécutés à l'aide d'un microphone stéréophonique, dit tête artificielle.